L'ancien premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé jeudi en garde à vue à Dakar pour avoir demandé dans une lettre ouverte des réponses au président Macky Sall sur un don financier à Marine Le Pen, sans la nommer. L'ancien ministre du budget voulait savoir si la responsable du Rassemblement national avait ou non reçu une somme de 12 millions d'euros lors de son séjour au Sénégal en janvier dernier. L'homme politique a également demandé au président sénégalais s'il est dans la logique du report de l'élection présidentielle de 2024. Cette lettre ouverte a été reprise en boucle par les médias locaux et déclenché la colère du pouvoir. Dans un communiqué paru mardi, les autorités rejettent et condamnent ce qu'elles qualifient d'insinuation lâche et sans fondement. Accusé de museler l'opposition, le gouvernement invoque une juste application de la loi.